Father, we want to thank you because of the love. Father, we want to thank you because of what you are, O Lord. In the name of Jesus Christ. Nous vous disons merci pour ta gloire, Seigneur. Nous vous disons merci pour la paix que tu nous as donnée, Seigneur. Nous recommandons ce moment dans tes saintes mains, Jésus-Christ de Nazareth. Nous recommandons ce temps merveilleux devant toi, Seigneur. Ô Dieu de bonté et de gloire, nous disons merci à nos frères et sœurs qui sont à la maison, Seigneur. Nous les rendons. Nous disons merci à eux pour la gloire, pour ta bonté, pour ton amour. Dans les noms de Jésus, toi qui règnes, le Seigneur, toi qui es assis sur le trône de gloire, sois élevé Jésus, sois élevé le roi des rois, sois élevé l'incomparable, sois élevé celui qui règne, Dieu de bonté, Dieu de gloire. Nous te disons merci pour ton amour. Nous te disons merci pour la grâce que tu nous as fait, oh Dieu, d'être là en ce moment, en ce temps difficile, Seigneur, là où on nous a séparés avec nos frères, oh Dieu de gloire, Dieu de bonté. Mais nous disons merci parce que nous sommes séparés physiquement, mais nous pouvons les atteindre par les sociaux médias dans le nom puissant de Jésus. C'est ça la grâce que Dieu a fait pour nous, oh Dieu de bonté, Dieu de gloire. C'est pourquoi nous recommandons ce bon moment dans tes saintes mains, oh Dieu. En ce moment, nous allons prier que la grâce de Dieu, la bonté de Dieu, l'amour de Dieu vous soit avec vous, Seigneur, dans les noms puissants de Jésus. Nous recommandons nos pères, nos frères, Seigneur. Nous recommandons nos soeurs, nous recommandons nos mamans. Nous recommandons, Seigneur, Dieu de bonté, Dieu de gloire. Nous recommandons tous ceux qui ne sont pas avec nous ici dans tes saintes mains. Ceux qui sont abroad, Seigneur, nous les recommandons dans tes saintes mains, dans les noms de Jésus, le Dieu de bonté, le Dieu de gloire. Le Dieu d'amour, c'est toi. Le Dieu qui ne change pas, c'est toi. C'est pourquoi nous venons ce matin dans tes saintes mains. Parce que la Bible nous dit, cherchez Dieu avec tout ton cœur dans le nom puissant de Jésus. C'est pourquoi, Seigneur, nous sommes là. Seigneur, parce que c'est un privilège d'être devant toi. Parce que devant toi, il y a une bénédiction, Seigneur. Même quand Moïse te cherchait, Seigneur, il a dit, Seigneur, je vais te voir. Mais vous lui avez dit de se cacher dans les montagnes et il va voir ton dos. Mais Dieu est monté, tu lui as dit, les jours qui te verraient, il sera déjà parti dans les noms puissants de Jésus. Seigneur, je bénis ta sainte présence, mon Dieu, le Dieu de gloire, le Dieu de bonté. Sois élevé, sois exalté, sois honoré, oh Dieu, le bon Dieu de gloire. Seigneur, nous vivons par la foi. En ce moment, oh Dieu, nous vivons que ta grâce, ta bonté puisse se manifester. Nous prions, oh Dieu, le bon Dieu de gloire, que nous prenons autorité. En ce moment, le matin, Seigneur, nous prenons autorité contre toutes les plans du diable dans les noms puissants de Jésus. Le diable ne peut rien faire. Il a déjà échoué il y a de cela 2000 ans dans les noms puissants de Jésus. Il y a de cela 2000 ans, il avait déjà échoué. Oh Dieu de gloire, Dieu de bonté, Dieu de grâce, c'est toi. Le Dieu qui règne, c'est toi. Le Dieu qui est assis sur le trône, c'est toi. Celui qui est entouré du 24 veillards, c'est toi. Seigneur, et le 4. Scripture, oh Seigneur, qui est les quatre esprits qui est assis avec toi, oh Dieu, dans les noms puissants de Jésus. Seigneur, tu es et ils disent, Saint, c'est toi, oh Dieu. But because they are saying, holy, holy, holy is you, oh God, dans les noms puissants de Jésus. Because there is no other God that can worship the God who created heaven and earth. The one who reigns, his name is mighty and great. He's wonderful. His name is so special. That's why we give glory, because he is able to transform, to change, to sustain, to guide, to protect us as his children in the name of Jesus. That's why we worship him. That's why we exalt him. That's why we glorify him. That's why we adore him. He's able to protect us against every plan of the enemy. And he said, where I am, you shall be there as well. But in this moment, he's there to guide us and protect us. He said, my daughter, my son, I know that where there's one or two in my name, I'm among them.
Lord, I know you are among us this evening, this afternoon, the Lord of hosts, that you may be able to guide and protect us, you may be able to sustain us. This morning is a different morning. Oh Lord, we pray that your grace and your favor continue to overflow in the name of Jesus Christ, the Son of the God, giving you glory, giving you praise, giving you worship, giving you adoration, giving you thanks, because you are able to change, Lord, the destiny of your people. In the name of Jesus Christ, the Son of the God, we want to recommend, oh Lord, this morning into your own hand. We want to pray that, the Lord of hosts, you may be able to guide your servant, you may be able to protect him, you may be able to open his mind of the spirit, that he may be able to release what you have put in him, oh Lord, in such a way the glory of God may continue to manifest upon your children. In this moment where I am standing in the Nazareth church, oh Lord, in this pulpit, oh King of Kings, Lord of Lords, and I take authority over the plan of the enemy, the plan of the devil, and whatever he is trying to do to distract the people of God, to distract the men of God, to distract, oh Lord, I rebuke him and declare we defeat him. He has no power to it. In a power of resource, the renewal. In a power of resource, the renewal. C'est pourquoi nous les chassons dans ce pays, dans les noms puissants de Jésus. Assez, c'est assez. Dans les noms puissants de Jésus, nous prenons autorité contre toi. Tu ne peux pas régner. Tu ne peux pas régner. Tu ne peux pas régner. Toi, le diable, nous te chassons. Tu as tué beaucoup. Mais en ce moment que je vis, en ce moment que je me place devant, et nous chassons tout esprit de méchant dans les noms puissants et ses acolytes, les démons. Nous les chassons dans les noms puissants de Jésus, dans la vie de tes enfants, dans la vie de mes frères, dans la vie de mes soeurs. Je chasse dans les noms puissants de Jésus tout esprit méchant. Ils n'ont pas la grâce, ils n'ont pas la force de régner contre les enfants de Dieu. Je sais que le moment est le moment. Et nous prions que la paix de Dieu, la bonté de Dieu, l'amour de Dieu soit avec ses enfants dans les noms puissants de Jésus. Seigneur Dieu, c'est toi qui règnes, que cette parole qui sera prêchée ce matin, nous prions que Seigneur, ça puisse toucher les vies, changer la vie de ses enfants dans le nom puissant de Jésus. This word is going to transform the life of the people. And this word is going to change the life of the children of God. That's why I pray. The grace of God, the favor of God, the love of God, the mercy of God may continue to flow upon the children of God. Father, I lift up your name, O God. Father, I thank you because you are able to change, Lord, the life of your brother, of my sister, of my brother, the youth, O Lord. I pray and the world has heard. Lord, I recommend all the nurses, O Lord, into your holy hands. I pray for all the doctors. I pray for all the fire brigade. I pray for the police, the army, who are helping, O Lord, the official. They are in forefront concerning this wicked plan of the enemy. In the name of Jesus Christ, the Son of living God, I pray and commend them into your holy hands. Guide them and protect them, oh God. In the name of Jesus Christ, the Son of living God, you may be able to sustain these people. They've been so strong enough. I know the enemy, he cannot stand, because God is still with them in the name of Jesus Christ. That's why we recommend them into your holy hands. Father, even when the politicians are trying to continue to open the doors for the people to start working, I pray, give them the strength, give them the courage, give them the guidance, oh God, in such a way, oh Lord, because the enemy is already destroyed in the name of Jesus Christ, the Son of the God, King of Kings, Lord of Lords. I give you thanks, I give you praise, in the name of Jesus. That's why I elevate your name, oh God, in the name of Jesus Christ. Hallelujah. Hallelujah. We are going to pray for the word of God this morning. We want to recommend the servant of God that is going to intervene this morning. Nous allons prier pour le serviteur de Dieu qui va intervenir, l'apôtre Rémi. C'est pourquoi nous recommandons ce moment dans le nom de Jésus. Ô Père de gloire, nous venons encore dans ton Saint-Nom, ô Dieu. Nous recommandons ton serviteur dans ton Saint-Nom, ô Dieu de bonté, Dieu de gloire. C'est toi seul qui peux encore le remplir de ta puissance, ô Dieu. Il puisse parler de ta part, ô, dans les noms puissants de Jésus.
Nous les laissons dans tes saints. Continuer, Père, nous prions que la grâce, aider, nous prions que ta bonté, nous prions que ton amour vienne, Père, que nous puissions séparer, que ta grâce et de ton amour, Seigneur. Nous les recommandons dans tes saints, que toi seul, qui puisses les garder et les protéger. En ce moment qui va parler, nous chassons tout esprit. Ignorance dans tes saints, mais l'esprit qui n'honore pas Dieu, nous chassons, Seigneur. Que tes enfants soient attentifs à la maison dans le nom puissant de Jésus, qu'ils puissent recevoir la parole avec tout le cœur de Dieu. Dans le nom puissant de Jésus. Saint-Esprit, nous t'invitons en ce moment de régner dans ce moment, de régner dans la maison de tes enfants. Seigneur, parle pour ta gloire. Dans le nom puissant de Jésus. Nous laissons cet enseignement dans tes saintes. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. L'apôtre. Nous rendons grâce à Dieu pour cette grande opportunité qu'il nous donne d'être dans sa maison, mais aussi d'être dans sa présence. Nous voulons reconnaître toutes les familles de Nazareth, les sympathisants, nos invités, nos visiteurs, que Dieu est avec eux. Merci pour le temps que vous prenez d'être en face de votre Dieu. C'est Dieu-là qui nous a tant aimés, c'est Dieu-là qui nous a appelés à le suivre, à l'aimer et à le connaître. À lui soit toute la gloire. Je voudrais procéder comme il est de tradition, à bénir d'abord le peuple de Dieu, où que vous soyez, si vous nous suivez, voici la formule biblique que Dieu nous a recommandée afin de bénir son peuple, et cela à perpétuité. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Amen. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Amen. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Amen. Amen. Je suis privilégié de la part du Seigneur. Ce n'est pas parce que je suis extraordinaire, peut-être parce que je me suis disposé pour cela. Ainsi, Dieu m'a mis là comme un outil. En tout cas, je ne suis pas là pour parler de la philosophie. Je ne suis pas là pour parler d'autres sciences, mais je suis là pour parler de la part du Seigneur. D'ailleurs, je parle parce que l'Éternel va m'utiliser. Je ne veux en aucun cas vous parler de choses qui ne sont pas dans la Bible. Et si cela arrivait, ne comptez pas sur ces choses-là. Gardez simplement ce que Dieu a confirmé dans sa parole. Alors, le thème que Dieu nous a donné aujourd'hui s'intitule l'onction. Et avant d'en aller plus loin, je voudrais d'abord remercier Dieu pour l'attention que vous portez au message. Le dimanche passé, une de mes filles, elle va se reconnaître, j'ai été très, très heureux par le message qu'elle m'a envoyé. Il y avait un point qu'elle n'a pas compris, elle a demandé à en savoir plus. Ça, c'est un acte que j'ai vraiment, vraiment, vraiment béni et apprécié. Que Dieu te bénisse, ma fille, et que Dieu bénisse aussi les autres. Vous vous souviendrez, dans la Bible, on parle de Juifs de Béret. Paul va s'exprimer en disant « Les Juifs de Béret avaient un sentiment plus noble que ceux de Thessalonique. » Pourquoi? Parce qu'ils n'écoutaient pas simplement la parole, mais ils vérifiaient aussi la parole. C'est-à-dire, vous qui écoutez la parole, il faut aussi prendre un temps, comme Pasteur John l'a dit auparavant dans ses messages de culte d'anglais, il faut avoir le temps de méditer. De méditer encore une fois cette parole. Et pendant que le pasteur John prêchait, j'étais vraiment frappé par un passage dans Psaume 119. Je pense que je vais le retrouver. Je vais essayer de faire un effort. OK. Il dit ceci. Voilà, je vais le retrouver. C'est... Voilà, et c'est Psaume 119, le verset 167. Pendant qu'il prêchait, j'ai été frappé par ce passage. Il s'est dit ceci, Psaume 119, verset 167, « Mon âme observe tes préceptes et je les aime beaucoup. »
Waouh! C'est trop fort ça. Ce que David avait déclaré, j'ai prié Dieu que je sois en mesure d'avoir aussi ce sentiment, d'avoir aussi cet attachement. Nos vies qui ne connaissent pas de vrai succès, de réel succès, c'est parce que quelque part, nous nous attachons à la parole de Dieu et d'autre part, nous abandonnons cet attachement. Ce que Dieu voudrait de nous, ce sont des attentions soutenues. Soutenues parce que nous aimons, nous n'aimons pas. Nous essayons et nous lâchons. Dieu ne veut pas que nous lâchions. Dieu voudrait que nous puissions nous engager avec toute bonne conscience. Ainsi, bien-aimés dans le Seigneur, comme j'avais dit de la part du Seigneur la fois passée, oui, les gens reçoivent Jésus comme Seigneur et comme Sauveur. Mais il est un fait que recevoir quelqu'un comme il y a comparaison. Mais si on reçoit Jésus pour Seigneur et pour Sauveur, là, ce sont des actions décidées et réfléchies. C'est ce que Dieu souhaiterait de toi et de moi, que nous puissions recevoir Jésus pour Seigneur. C'est-à-dire, nous n'aurons plus d'autres références que lui. Que Jésus pour Sauveur, nous n'aurons plus d'autres moyens. Ce ne sera pas notre argent qui va nous sauver. Ce ne sera pas nos titres qui vont nous sauver. Mais ce sera Jésus qui est mort. Son acte, son seul acte sur la croix suffirait pour celui qui a reçu Jésus pour Sauveur. Alléluia. Voilà. Aujourd'hui, nous allons parler de l'onction. Et avec le thème d'aujourd'hui, nous allons voir la vie d'un homme, Samson. Et Samson va nous servir au fait de référence pour mieux assimiler la valeur et l'importance de l'onction. Comment protéger cette onction? Qu'est-ce que c'est l'onction? Tout cela, nous allons voir ça durant ce culte. Durant le temps qui nous reste, nous allons essayer d'esquisser, selon la grâce du Saint-Esprit, sur l'onction. Nous allons chercher à en parler, mais si à la maison vous êtes là, en tout cas, recevez l'onction du Saint-Esprit. Recevez l'onction du Saint-Esprit. Ne recevez pas l'onction de l'apôtre Jérémie. Recevez l'onction du Saint-Esprit. Jean-Baptiste, lorsqu'il vit Jésus, il a dit, voici, c'est lui qui vous baptisera de feu et de l'Esprit. C'est Jésus, ce n'est pas l'apôtre Jérémie. Ce n'est pas pasteur. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Nous tous, nous recevons de Dieu cette onction. Alléluia. Il n'y a aucun homme sur cette terre, qu'importe sa position, qu'importe sa fonction dans l'Église, qui peut donner l'onction à quelqu'un d'autre. D'autres viendraient, ceux qui, les grands penseurs, vont dire, mais Élie n'a pas donné l'onction à Élisée. Élisée a demandé l'onction qui était dans Élie d'être en lui. Et Élie a prié, a souhaité, comme il était en connexion avec Dieu. C'est Dieu qui a rempli Élisée maintenant à son tour avec une double onction. Amen. Et l'acte d'oindre, vous vous souviendrez avec Samuel, c'est le geste de déverser l'huile, mais ce n'est pas l'huile qui est l'onction. C'est un signe, c'est un rite, mais l'onction en soi vient de Dieu, parce que c'est le Saint-Esprit qui vient habiter en l'homme. Il se substitue à cet homme. Alors nous allons voir que cette onction que nous recevons de Dieu, c'est une onction à protéger. Les gens viennent recevoir l'onction. Après l'onction, ils s'en vont. Ils redeviennent les mêmes personnes. Ils retournent à ce qu'ils avaient vomi. Ils vont encore se vautrer dans la même saleté. Mais celui qui reçoit la vraie onction, l'onction venant de Dieu, l'onction du Saint-Esprit, ça transforme radicalement ces personnes. Amen. Et lorsque nous conservons cette onction de Dieu, nous allons le voir. Nous allons réussir dans tout ce que nous allons entreprendre sur cette terre. Que ce soit dans le monde spirituel, que ce soit dans le monde physique, Dieu contrôle tout. Il contrôle le spirituel, il contrôle le physique.
Et si le physique existe, c'est parce que Dieu en est le créateur. Comment Dieu qui a créé le physique? Le physique va échapper à son contrôle. Ça n'a pas de sens. C'est ainsi que la Bible dira, celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Alléluia. Alors, je voudrais d'abord donner quelques explications. L'onction. C'est quoi l'onction selon la Bible? Dans l'Ancien Testament, l'endroit où l'onction fut prononcée pour la première fois dans toute la Bible, c'était dans les livres d'Exode. Dans l'Ancien Testament, l'onction se pratiquait en versant de l'huile. Vous allez trouver la référence sur Samuel 13 et Samuel 16, verset 13. L'onction se pratiquait en versant de l'huile. Ça, c'est dans Samuel 16, verset 13. De l'huile, cette huile-là doit être parfumée. Doit être parfumée. Exode 30, verset 22 à 23. Sur la tête d'une personne. Cette huile doit être versée sur la tête d'une personne. Ça, c'est Lévitique 21, verset 10. Ou sur un objet que l'on consacrait à Dieu. Avec cette huile, dit la Bible, tu consacreras par onction. Ça, vous allez trouver dans Exode 30, verset 22 à 26. L'onction, c'est un revêtement qui met à part une personne ou un objet. Tout ce qui reçoit l'onction, la Bible l'appelle consacré. Consacré. Dans le mot consacré, il y a deux mots contigus. Le premier, c'est con, qui vient de cum, avec sacré. C'est-à-dire que tu deviens sacré avec Dieu. Parce que Dieu t'habite. Tu deviens sacré, c'est ce que ça veut dire consacré. Alors, qu'est-ce qu'est l'onction du Saint-Esprit? Plus qu'un simple fluide, qu'une énergie, qu'une force ou puissance, l'onction est une particularité du Saint-Esprit. Son principe actif, quand on dit principe, on dit sa genèse, on dit sa façon, on dit sa démonstration, on dit sa manifestation, on dit sa nature, sa définition active. Le Saint-Esprit n'est actif dans l'homme ou dans la chose, dans l'objet, que par le fait de l'onction. Celui en qui le Saint-Esprit fait habiter l'onction, cette personne-là devient le moyen par lequel le Saint-Esprit va se manifester, va entrer en action. Amen. Amen. Elle est personnelle. L'onction est personnelle. Je ne peux pas avoir l'onction et je prends un peu, je donne à mon fils. Je prends un peu, je donne à ma fille. Je prends un peu, je donne à mon épouse. L'onction est personnelle et individuelle. Alléluia. Amen. Elle est le fruit de la grâce. L'onction ne vient pas parce que je suis un bon chrétien. Je suis fidèle dans mes dîmes. Je suis fidèle dans mes offrandes. Je vais à l'église tous les jours. J'ai pris tous les... Non, ça, ce n'est pas ça qui te donne l'onction. L'onction est le fruit de la grâce de Dieu sur un individu. Les fruits de la grâce de Dieu dans la vie des croyants, mais aussi de par son appel pour chacun d'entre nous.
Parce que quand Dieu t'appelle, quand Dieu m'appelle, s'il oublie de nous joindre, il oublie de nous consacrer, il oublie de nous considérer, alors toute notre vie sera nulle et sans effet. L'onction est très importante parce que par l'onction du Saint-Esprit, nous commençons à agir selon le Saint-Esprit. Alléluia. C'est ainsi que la Bible dans Galates 5 nous dira « Marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair. » Pourquoi la Bible va-t-elle dire « Marchez selon l'Esprit » C'est parce que le Saint-Esprit est différent de démons. Le Saint-Esprit est différent de la possession. Le Saint-Esprit, quand il vient dans ma vie, il vient dans ta vie, c'est pour collaborer, c'est pour coopérer. Alors quand on dit « selon », on te dit « suis l'exemple, dénie-toi, renie-toi, mais suis ce que le Saint-Esprit te dit de faire ». C'est pourquoi nous allons voir aujourd'hui, ce dimanche, le dimanche prochain et qui va suivre jusqu'à la Pentecôte qui sera le 31 mai, nous allons beaucoup parler de l'onction et comment conserver l'onction du Saint-Esprit dans nos vies. Nous avons dit ici que l'onction est personnelle et individuelle. Alors, prenons soin, si tu es au loin de Dieu, loin du Saint-Esprit, de vérifier si ta femme l'est, si tes enfants le sont. Parce que tu es loin, n'oublie pas ta famille. N'oublie pas ta famille. Et cela est possible. Nous allons le voir prochainement, aujourd'hui, dans ces messages de la part de Dieu. Alors, avant d'en aller plus loin, nous allons lire avec maman Thérèse le passage du jour. Dans Juges chapitre 16. Vous pouvez écrire, s'il vous plaît. Ou bien je vais lire comme maman Thérèse n'a pas le micro. Je m'en irai lire. Juges chapitre 16, versets 1 à 6. Je m'en vais lire. Écrivez là où vous êtes chez vous, parce qu'il faut vérifier. Ce n'est pas parce que c'est l'apôtre Rémi qui prêche que tout ce qu'il va dire c'est vrai. Non, nous devons garder les souvenirs des textes bibliques. C'est par elle que viendront notre conviction. Nous ne devons en aucun cas donner nos vies, nos destinées éternelles à un individu. Qu'importe son titre, qu'importe son rang, c'est cette parole de Dieu qui fera la fierté de Dieu en chacun d'entre nous. Nous devons aimer cette parole. Nous devons nous attacher à elle. Nous devons à tout prix, garder cette parole de Dieu dans nos vies. Alléluia. Ok, je m'en vais lire le passage de Dieu, comme maman Thérèse, je l'avais dit auparavant. Je prends le chapitre 16, le verset 1 à 6. Je m'en vais lire. Avec vous, bien sûr, vous qui êtes à la maison et que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Samson partit pour Gaza. Il vit une femme prostituée et il entra chez elle. On dit aux gens de Gaza, Samson est arrivé. Et ils l'environnèrent et se tinrent en embuscade toute la nuit. À la porte de la ville, ils restèrent tranquilles toute la nuit, disant au point du jour, nous le tuerons. Samson demeura couché jusqu'à minuit. Vers minuit, il se leva et il saisit les bâtons de la porte de la ville et les deux poteaux les arracha avec la barre, les mit sur ses épaules et les porta sur le sommet de la montagne qui est en face d'Hébron. Après cela, il aima une femme dans la vallée de Sorek. Elle se nommait Delila. Les princes des Philistins montèrent vers elle et lui dirent, flatte-le
je répète le mot, flatte-le pour savoir d'où lui vient sa grande force et comment nous pourrions nous rendre maîtres de lui. Nous le lierons pour le dompter. Retenez ce mot, dompter. Ça signifie être à la merci de quelqu'un, être sous la puissance de quelqu'un d'autre, être sous l'autorité de quelqu'un d'autre, dompter, prendre contrôle d'eux. Et nous te donnerons chacun 1100 cycles d'argent. Delila dit à Samson, « Dis-moi, je te prie, d'où vient ta grande force et avec quoi il faudrait te lier pour te dompter ?» C'est une histoire triste. Nous connaissons tous Samson, dont le nom vient de l'hébreu, Shemesh, qui signifie simplement le soleil. Samson signifie le soleil. Et vous savez, depuis la nuit des temps, le soleil a toujours été adoré. Et le nom qu'on a donné à Samson, c'était le nom d'un dieu antique. C'est pourquoi ceux qui parlent l'anglais le savent. Le dimanche, on appelle ça Sunday, le jour du soleil. C'est ainsi Samson, chez les anglo-saxons, il représente chaque jour de dimanche. Samson, Sunday, le jour de Samson, le jour du Dieu soleil. Le nom que Dieu donna à Samson est un nom de grande valeur et de grande hauteur. C'est pour cela la signification du nom de Samson est très importante avant de continuer. Avant d'en arriver là, je voudrais rappeler à chacun d'entre nous, comme la Bible le dit, dans le livre de Jean, chapitre 1er, verset 13, on en reviendra. Mais là, la Bible parle de toi et de moi comme de nouveaux êtres, comme de nouvelles personnes qui ne sont pas nées ni de la volonté de la chair, ni de la volonté du sang, mais de la volonté de l'esprit. Ça veut dire quoi? Que quand toi et moi, nous recevons Jésus-Christ pour Sauveur et pour Seigneur, le Saint-Esprit vient nous habiter. Nous devenons des créatures purement et simplement spirituelles. Amen. Nous l'avions dit précédemment, le dimanche passé. Nous sommes habités par l'Esprit et nous détenons deux identités. Notre identité apparente, nous sommes des hommes. Mais notre identité spirituelle, nous sommes des dieux. Le Saint-Esprit qui t'habite, qui m'habite, ne sont pas différents. C'est le même esprit. Et même s'il nous arrive aujourd'hui de nous battre dans les églises locales, bien sûr, c'est parce que nous ignorons que chacun d'entre nous qui est habité par le Saint-Esprit a une mission particulière à faire au sein de l'église. Mon onction suffit pour ma mission. Et l'onction de chacun d'entre nous suffit pour sa mission. Nous devions nous rendre compte de ces choses. Dans l'Église, nous sommes tous actifs par l'Esprit qui nous habite. L'onction du Saint-Esprit n'est pas donnée simplement à une certaine classe. Et vous savez très bien que selon Dieu, il n'y a pas de favoritisme. Amen. La Bible dit, Dieu ne fait exception de personne. Ça veut dire, Dieu ne rejette personne. Il nous a créés en tant que notre créateur. Il ne va pas choisir un groupe de gens et rejeter les autres. Même s'il y a des païens
Souvenez-vous de la parole de Dieu. Dieu nous a tant aimés alors que nous étions encore des pécheurs. Notre façon de penser n'est pas la même chose que la vérité de Dieu. Parce que Dieu ne pense pas. Dieu contrôle nos pensées, mais lui ne pense pas. Alléluia. Alors Samson, cet homme qui est né d'une façon miraculeuse, vous connaissez son histoire. Sa mère et son père ne pouvaient pas avoir d'enfants. Et il fallait que l'ange de l'Éternel vienne afin de leur donner la prophétie ou de leur donner le message qu'ils auront un enfant. Cet enfant-là, c'est Samson. C'est un Naziréen. Parce que Dieu a ordonné à ses parents de ne pas boire l'alcool, de ne pas boire le vin, de ne pas même manger, même le raisin, avant la naissance de cet enfant. Il devait s'abstenir de tout ce qui était enivrant. C'est ainsi que Samson est né d'une manière prophétique, ou du moins d'une manière avertie, ou du moins comme Jésus-Christ. Lorsque l'ange est apparu à Marie, il lui a dit « Tu auras un fils », c'est la même chose que l'ange de l'Éternel est apparu à la maman de Samson pour lui dire « Un enfant naîtra ». Comme l'ange est apparu à Jean, ou du moins à Zacharie et à Élisabeth pour leur dire que vous aurez un enfant. Mais le rasoir ne passera pas sur la tête de cet enfant. Mais aussi, vous ne devriez pas prendre de boissons enivrantes. C'est un Naziréen qui devait naître. Alors, autant que sa naissance était miraculeuse, était formidable, était impressionnante, sa vie aussi fut impressionnante. Samson fut revêtu au travers de ses cheveux de la puissance de Dieu. Alors, comment Samson a-t-il géré son onction? Je ne suis pas ici un accusateur de Samson. La Bible dit ceci, que les choses qui se sont passées dans l'Ancien Testament, Dieu les a autorisées afin de nous servir à nous d'exemple. Samson devient de ce fait non pas une mauvaise personne, mais un exemple pour toi et moi. Parce que dans la Bible, si nous lisons dans Hébreux chapitre 11, Samson est cité. Donc ce n'est pas une personne à mépriser ni à négliger, parce que sa personnalité fut confirmée dans le Nouveau Testament. Nous allons lire un peu cette partie. Nous lisons Hébreux chapitre 11, verset 32, juste pour démontrer que avec le Nouveau Testament, avec la venue du Saint-Esprit, Samson n'a pas été jeté à l'oubliette. Écoutez ceci. Hébreux chapitre 11, verset 32. Et que dirais-je encore? Car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes, etc., etc. Nous voyons que le nom de Samson est revenu. Pourquoi? Parce que c'est une personne considérée. Sa vie, Dieu l'a permis ainsi, afin simplement de nous servir d'exemple. Je pense, et je suis confiant de ce que je dis, que si Dieu a permis que Samson passe par là, Dieu ne permettra pas que toi et moi nous passions par là. Amen. Samson, l'homme revêtu de l'onction de Dieu. Et cette onction avait pour résidence ses tresses. Il avait sept tresses au niveau de sa tête. Alors, ce Samson, qui était appelé de Dieu, choisi de Dieu, oint par Dieu, regardez quel genre de vie il va mener. En dépit de l'onction qui habitait Samson, Samson n'a jamais eu une vie bien réglée. Il n'a pratiquement rien fait pour son peuple, quelque chose de consistant.
Si ce n'est quelques bagarres à gauche et à droite. Et comme il aimait beaucoup les jupons, il courait à gauche et à droite. C'était ça la vie d'un homme rempli du Saint-Esprit. Et c'est ça que nous voyons aujourd'hui dans l'Église. On se prétend être serviteur de Dieu, mais ça ne nous gêne pas de mener une vie malhonnête, une vie charnelle. Et les chrétiens, comme nous sommes aujourd'hui, je ne sais pas ébloui par quoi, nous regardons tout cela comme normal. Ce n'est pas normal. C'est lui en qui le Saint-Esprit habite par son onction. Sa vie aussi est extraordinaire. Parce que le Saint-Esprit lui-même est au-delà de l'extraordinaire. Alléluia. Amen. Que Dieu soit loué. Alors cet homme, Samson, a aimé une prostituée. La Bible ne cache rien, la Bible c'est la lumière. Un homme rempli du Saint-Esprit qui va tomber entre les mains d'une prostituée. La prostituée cherche l'argent. Tu vas chez un prostitué. Si tu lui donnes 100 dollars pour qu'elle te reste fidèle, celui qui viendra avec 1000 dollars fera qu'elle te quitte. Mais l'onction que nous avons reçue de Dieu, c'est une onction qui ne s'achète pas. Les magiciens ont tenté d'acheter l'onction, mais ils ont été répugnés par les apôtres. On ne peut pas acheter l'onction de Dieu. L'onction de Dieu, comme nous l'avons dit, émane de la grâce de Dieu pour chacun d'entre nous. Mais aussi, cette onction de Dieu que nous recevons n'est pas ni monnayable, ni distribuable, ni cédable. Elle reste dans la personne en qui Dieu s'est intéressé de déposer cette onction. C'est pourquoi il est un mal de combattre l'onction des autres. Parce que l'onction à côté de l'onction, l'onction à côté de l'onction, c'est ça qui fait la puissance de l'Église. C'est ça qui fait le plaisir de servir Dieu. L'onction est utile pour tout croyant. Mais attention à la gestion de cette onction. C'est à cela que nous sommes appelés aujourd'hui. Ce que je voudrais vous expliquer aujourd'hui est que notre ennemi commun, le diable, écoutez ceci. Si dans l'Ancien Testament, les peuples de Dieu avaient pour ennemi les autres nations, dans le Nouveau Testament, après l'effusion du Saint-Esprit, l'ennemi de l'homme, ce n'est plus l'homme. L'ennemi de l'homme devient des principautés. Les princes, ça devient les démons, les esprits mauvais, malins et déchus. C'est ainsi, bien aimé dans le Seigneur. Enlève de ta liste en tant que quelqu'un rempli du Saint-Esprit les autres êtres humains comme tes ennemis. Alléluia. Amen. Vous saurez très bien que les autres ne sont pas nos ennemis, mais ce sont nos frères et sœurs qui éventuellement peut-être ont commis des erreurs ou encore ont été utilisés par Dieu pour nous amener à revenir sur la voie. Je pense à David. Lorsque David fut maudit, David, qu'est-ce qu'il a dit? Laissez-le me maudire. Ce n'est pas de sa faute. C'est peut-être Dieu qui m'a vu dans le mal. Alors il me maudit au travers de sa bouche. Et la Bible nous dit quoi? Celui dont les voix plaisent à Dieu, Dieu va disposer en sa faveur même ses ennemis. C'est-à-dire que nos ennemis humains ne sont pas réellement nos ennemis. Nous les appelons faute de mots peut-être, mais nos ennemis de ce monde, si nous plaisons à Dieu, seront disposés toujours en notre faveur, non pas pour nous tuer. Alléluia. C'est pourquoi vous verrez les gens qui ont l'onction de Dieu. Même si les gens se mettent à comploter comment pour lui faire de mal, parmi les groupes-là, quelqu'un surgira, quelqu'un sortira de leur milieu
pour aller t'annoncer l'histoire. Ça, ça vient de l'onction du Saint-Esprit. Ça, ça émane de l'onction de Dieu que nous avons reçue. Mais la seule chose, c'est celle-ci. Quand nous avons l'onction du Saint-Esprit, nous devrions aussi être conscients du choix de nos compagnies. Tu es revêtu du Saint-Esprit. Est-ce que tu as changé des amis? Est-ce que tu as changé de compagnie? Est-ce que tu as changé d'adresse? Tu as repris les mêmes activités. Même ton entourage ne sait même pas que tu es croyant. Ils ne savent même pas dans quelle assemblée tu vas. Une personne qui marche comme ça, cette personne-là finira par tomber dans les charmes des Delilah. Parce que chacun d'entre nous a son Delilah. Les Delilah, ce sont nos vieilles habitudes. Les autres francophones, pour exagérer, ils ont appelé ça les péchés mignons. Ce sont ces péchés-là, ce sont ces fréquentations-là qui continuent au jour et le jour de diminuer notre onction. Amen. Je reviendrai à dire ceci. Le Saint-Esprit, ou du moins son onction en nous, ne se comporte pas comme les démons. Les démons, ils entrent sans demander l'autorisation. Mais pour que le Saint-Esprit entre dans ma vie et dans ta vie, la Bible dit dans Apocalypse 2, verset 20, je pense, si je veux, 3, verset 20, c'est 3. Apocalypse 3, 20, il dit ceci. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Vous comprenez ce que Dieu fait? Dieu ne peut pas entrer dans ta vie sans ton autorisation. C'est pourquoi je dis, on reçoit Jésus pour Seigneur et pour Sauveur. Pas comme. Le Saint-Esprit dans ta vie ne peut rien accomplir sans ton autorisation, sans ta collaboration, sans ta bonne volonté. Il ne peut rien. C'est pourquoi dans le corps d'un homme, on ne chasse pas le Saint-Esprit. Mais la Bible dit, on l'éteint. La Bible dit, on l'attriste. Ce n'est pas parce que tu as le Saint-Esprit que tu ne seras pas en mesure de boire l'alcool. Tu peux boire l'alcool. Mais cela devient maintenant du choix de ce qu'on appelle l'obéissance. Comme nous avons lu de David, il dit, j'aime tellement tes préceptes et je les médite tous les jours. Tu as l'onction du Saint-Esprit. Et aujourd'hui, nous sommes en train d'apprendre comment conserver l'onction du Saint-Esprit. L'onction du Saint-Esprit se conserve au travers la soumission. La soumission aux injections du Saint-Esprit. Beaucoup pensent que c'est prier qui conserve l'onction. Non! C'est jeûner qui conserve l'onction. Non! Quoique prier et jeûner ne sont pas de mauvaises choses. Celui qui a l'onction du Saint-Esprit pratique ces choses. C'est l'onction qui génère la prière et les jeûnes. Ce ne sont pas les jeûnes et la prière qui génèrent l'onction. Non, 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 non. C'est-à-dire que mon onction, ton onction, a plus de valeur que la prière et les jeûnes. Parce que conserver l'onction, ça relève de la soumission. Ça relève de la soumission aux injections, aux injonctions du Saint-Esprit. Alors, Samson qui est allé auprès de Dalila, qu'est-ce que Dalila lui a dit? Pour me démontrer ton amour pour moi, révèle-moi les secrets. Pourquoi toi tu es invincible? Pourquoi es-tu imbattable? Pourquoi as-tu autant de force?
Notre ennemi commun, le diable, il continue à faire la même chose aujourd'hui. Il est en train de nous flatter. Il est en train de nous poursuivre. Il doit connaître notre secret. Ce que le diable veut de toi ou de moi, ce ne sont pas notre argent, voiture, maison, beauté, etc. Mais notre onction, parce que c'est notre onction qui gêne le monde des ténèbres. Le fait d'avoir l'argent ne gêne pas le monde des ténèbres. Le fait d'avoir des voitures à crédit, ça ne gêne pas le monde des ténèbres. Le fait d'avoir un bon score de crédit, 880, ça ne gêne pas le monde des ténèbres. Ce qui gêne le monde des ténèbres, c'est l'onction que tu as aujourd'hui. Si on t'enlève ton onction, tu deviens à la merci du diable. Je m'en vais lire ce que j'ai écrit auparavant. Mais ce qu'il veut, c'est notre onction. Et lorsque l'on t'enlève l'onction, on te prive de vie et on te prive de protection. C'est l'onction du Saint-Esprit qui fait de nous les enfants de Dieu. Comme dit Jean, chapitre 1er, verset 13. Amen. Qui dit ceci. Lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, mais de la volonté de, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Alléluia! Que Dieu soit loué. Ton onction, c'est ça ton identité spirituelle. Nous allons prêcher les dimanches qui vont suivre pour montrer que le diable n'attaque plus que l'onction. Le diable est dans le désert. Il a visé l'onction de Jésus. Il n'attaque que ça. Si le diable te reprend ton enfant, si le diable te reprend ton parent, si le diable te reprend ton argent, si le diable te reprend ton travail. Tout ce que nous aimons, ce n'est pas ça qui l'intéresse. Il te prend un peu d'argent ici, il te prend ta voiture là-bas, il met des accidents là-bas, il met des morts dans ta famille. Tout cela, ce qu'il veut arracher, c'est l'onction. Il va te mettre dans les soucis. Il va te plonger dans les inquiétudes. C'est pour cela que la Bible dit, fais en tout temps par l'esprit des prières. La Bible reconnaît qu'on peut prier sans l'esprit. Souvenez-vous de deux personnalités qui sont entrées dans les temples. Il y avait les pharisiens, il y avait aussi les publicains. Jésus va décrire en disant, des deux là qui a été exaucé. Nous pouvons tous entrer dans l'église, mais nous ne serons pas tous bénis de la même manière. Seulement ceux qui utilisent l'onction du Saint-Esprit pour prier, ce sont ceux-là. Nos églises ont perdu leur valeur parce que les gens n'ont pas l'habitude d'utiliser l'onction. Dans tout, il faut les supplier. Pardon, priez. Pardon, donnez. Pardon, venez. Pardon, allez évangéliser. Pardon, témoignez. Non! Celui qui a l'onction du Saint-Esprit est une nouvelle créature. Nous verrons vers la conclusion parce que nous y allons. Comment conserver son onction? Lisons Évangile selon Jean, chapitre 3, versets 7 à 8. Évangile selon Jean, chapitre 3, versets 7 à 8. Lisons ensemble. Jean chapitre 3, verset 7 à 8. Alléluia. Jean chapitre 3, verset 7 à 8. Vous qui êtes à la maison, prenons ce passage. Qu'est-ce qui nous dit ce passage-là? Je m'en vais lire. C'est Jésus qui s'adresse à Nicodème. Il dit ceci. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Je vais m'attarder un peu sur ce point.
dans beaucoup de milieux, beaucoup de personnes aujourd'hui, surtout nous qui sommes originaires de chez nous. Lorsqu'on veut savoir si quelqu'un est spirituel, on lui pose seulement cette question. Est-ce que toi tu pries? C'est très malin et le diable l'utilise. On ne prie pas parce qu'on a l'onction. Nous prions parce que nous avons des problèmes. Mais écoutez ce que Jésus va dire. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Que vous viviez l'expérience de Jean 1, chapitre 1, verset 13. Vous êtes né avant de sang et de chair. Maintenant, naissez d'esprit et de Dieu. C'est ce qui intéresse Dieu. Tu étais un homme malicieux. Tu étais tricheur. Tu étais prostitué. Tu étais manigasseur. Mais jusqu'à aujourd'hui, tu restes le même. Tu as la même compagnie, les mêmes camarades. Tu ne tombes pas à l'injection du Saint-Esprit. Ou du moins à l'injonction du Saint-Esprit. Dans tout, il faut te supplier. Celui qui a l'onction du Saint-Esprit, toute la Bible a sa valeur. De Genèse à Apocalypse. S'il entend une parole de la Bible qu'il ne connaissait pas auparavant, automatiquement, il change sa façon de vivre. Très ridicule. Les hommes de Dieu aujourd'hui sont sur la vie prêts à être ridicules parce qu'ils doivent être toujours là et payer la dîme, oh, donner les offrandes, oh, venez prier, oh, venez à la veillée, oh, il faut jeûner. Ce n'est pas notre travail. Celui qui a l'onction du Saint-Esprit connaît les valeurs de ces choses. On n'a pas à te supplier pour donner payer ta dîme. On n'a pas à te supplier pour donner tes offrandes. On n'a pas à te supplier pour venir à la veillée. On n'a pas à te supplier pour venir témoigner. On n'a pas à te supplier parce que l'onction qui habite en toi. Amen. Fais ces choses. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devions comprendre une chose. C'est la nouvelle naissance qui est la meilleure des onctions. Amen. C'est la nouvelle naissance. Continuons notre lecture. Verset 8. Le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient et d'où il va. Il en est ainsi, écoutez bien, il en est ainsi de tout homme. Ici, il y a aussi femme, parce qu'il n'est pas seulement les hommes en pantalon. C'est pourquoi l'Église est prédominé par les hommes, pensant que c'est seulement les hommes qui ont le droit. La Bible dit dans Colossiens, en esprit, il n'y a plus ni femme, ni homme, ni esclave, ni libre, ni riche, ni pauvre. Alléluia. Ça, c'est l'œuvre de l'onction. Jésus dit, quand nous allons mourir, nous serons au ciel comme des anges. Donc, il n'y aura pas de femme ni de sang. C'est ça le miracle du Saint-Esprit. Il nous enlève tout ce qui nous divise. Le vent, il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. Revenons un peu au verset 8. Le vent souffle. Le mot vent ici signifie pneuma, l'Esprit. L'Esprit, vous voyez seulement le fait, mais vous ignorez d'où il vient et où il va. Il est très difficile. Pasteur John a lu un message aujourd'hui ici, où le parfum sentait deux odeurs, selon là où tu étais. Ça sentait mauvais chez les autres, et ça sentait bon chez les autres. C'est ça le message du Saint-Esprit.
Quand nous sommes remplis du Saint-Esprit, nous pensons que quand tout le monde nous applaudit, nous disons nous sommes remplis. Non! Il y a ceux qui vont s'applaudir, il y a ceux qui ne vont pas applaudir. C'est ça le Saint-Esprit. Si tu dis tu as le Saint-Esprit et tu n'as pas d'ennemi pour ce que tu fais pour Dieu, en tout cas ce n'est pas le Saint-Esprit. Les gens se plaignent, on me déteste, ils sont mes ennemis, ils me rejettent, ils ne te rejettent pas parce que tu prêches en Dieu. Là, on peut comprendre une chose. Mais les gens du monde qui te rejettent, ce n'est pas parce que tu es saint, c'est parce que vous faites les mêmes choses. Vous courez derrière les mêmes filles, vous sortez avec les mêmes hommes, vous chinez les mêmes riches, vous trichez ensemble, vous mentez ensemble. Vous critiquez ensemble, c'est là où vous êtes embrouillés. Ce n'est pas parce que tu as l'onction. Mais lorsque, de ta conscience, tu sais que tu sers Dieu avec son onction. Oh, sache une chose. C'est pourquoi Jésus n'a pas dit à ses apôtres, je vous envoie comme des loups parmi des brebis. Il leur a dit, je vous envoie comme des brebis parmi les loups. C'est hum, hum. C'est ça que font les loups aux brebis. Restons fidèles à l'onction que nous avons reçue. Nous en allons clore le message d'aujourd'hui. La conclusion se trouve dans 1 Timothée chapitre 4, versets 13 à 15. C'est là où je vais clore sans trop de commentaires. Que Dieu soit loué. Alléluia. 1 Timothée chapitre 4, versets 13 à 15. Nous lisons ceci. Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Peuple de Dieu au sein de Nazareth, jusqu'à ce que je vienne, je lis, ce n'est pas moi, je fais la lecture. Applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. C'est là le secret. Si Samson regardait son secret vis-à-vis de Dalila, Samson n'aurait jamais, jamais, jamais perdu sa force, perdu son onction. Faites attention aux fréquentations. 14. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition de main de l'assemblée des anciens. Occupe-toi de ces choses. Donne-toi tout entier à elle, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Je pourrais même ajouter, veille sur toi-même et sur ton enseignement, verset 16, persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Que Dieu vous bénisse. Comme c'est le mois de la Pentecôte, nous allons encore revenir le dimanche prochain avec des enseignements sur l'onction de Dieu. Nous allons prier quelques secondes pour que cet enseignement soit gravé comme une pierre blanche sur la table de nos cœurs. Protégeons notre onction en sélectionnant nos fréquentations, en sélectionnant nos lieux où nous allons tout souvent. Les dimanches seulement, nous avons besoin de ceux qui parlent de Jésus. Mais les autres jours, nous nous choisissons qui nous pouvons visiter, avec qui nous pouvons parler, avec qui nous pouvons chatter et de quoi nous faisons. Que Dieu nous donne la grâce de nous soumettre à l'onction, à l'injonction du Saint-Esprit. Parce que c'est là que nous devons persévérer. C'est à cela que nous devons focaliser durant notre vie. Que Dieu vous bénisse. Notre Dieu, notre Père, merci de nous avoir visités au travers de cette parole. Tu nous as donné le grand nom de fils de Dieu et de filles de Dieu. Notre onction ne sera jamais prise par Delilah. Les Delilah modernes ne nous aura pas. Parce que nous voulons nous soumettre à la mission que tu nous as donnée. Au lieu de vivre dans la distraction, Seigneur, avec les amis d'enfance, les membres des familles, ceci, cela. Non, Seigneur, le Saint-Esprit et son onction sont individuels, sont privés, personnels. C'est ainsi que chacun d'entre nous travaille, Père Tout-Puissant, pour la culture de son onction.
que nous puissions apprendre d'une manière spirituelle et avertie, Seigneur, comment arroser l'onction que nous avons reçue de toi. Comment caresser l'onction que nous avons reçue de toi. Dans le nom de Jésus, je bénis tous ceux-là qui sont en ligne, dans leur maison avec leurs enfants, en famille, perturbation avec les amis, nos sympathisants, nos visiteurs, nos invités. Seigneur, qu'ils soient tous bénis dans le nom de Jésus. Que ces messages que tu nous as tous adressés aujourd'hui concernant l'onction puissent, Père Tout-Puissant, alléluia, nous interpeller. Notre pasteur peut avoir l'onction, mais si je n'ai pas l'onction, c'est nul. Nous devrions tous recevoir l'onction de Dieu au nom de Jésus et naître de nouveau. Amen. Dieu bénisse. Pasteur John va nous conduire dans ce qu'il y a à faire. Merci mes frères et sœurs qui sont en ligne. Je dis merci à everyone who are online right now. We are going to do what we know how to do. We're going to do the school of prosperity. That's why I'm going to lead you in this verse that is in the book of Genesis chapter 14. We're going to take verse 20. Hallelujah. Amen. 14, verse 20 of Genesis. And the Bible says this in the book of Genesis chapter 14, verse 20, say, and blessed be God most high, who has delivered your enemy into your hands. Then Abraham gave him a tenth of everything. Hallelujah. Amen. Brethren, the Bible said that this man who was the high priest blessed Abraham because he was coming from the war. He said that the Lord who has delivered you from everything. And Abraham gave him the tenth of everything. That means the tenth of everything. It doesn't mean just the mignon, the miette. No, c'est la vie. Même s'il avait eu les taxes, the tax credit, même si on a donné for free, il a pris aussi les tenth de cette tax qu'on a donné for free là. On a donné le COVID-19 for free, mais il a aussi donné. Amen. Mon frère et ma soeur. Parce que ça a été donné. Lui aussi avait pris for free parce qu'il est allé à la guerre et on lui a donné. Et il a aussi pris les têtes. Il a donné de tout ce qu'il avait pris for free là-bas. Là, il était à la guerre. Tu sais que dans la bataille, il y a des choses qui restent, des banques qui restent vides. Tout ce qui reste vide, il prend ce qu'il peut prendre. Parce qu'il venait de la guerre. Amen. Dans la guerre, donc les gens ont fui, il restait tout. Il a laissé les millions. Tu peux prendre ce que tu peux prendre et tu pars. Alléluia. Amen. Mon frère et ma soeur, je sais que Dieu t'a béni. T'as béni, mais tu es à la maison. L'argent te suit même à la maison. C'est pourquoi tu dois être reconnaissant. Il y a des ceux qu'on avait fait des chèques qui sont morts, qui n'ont pas même mis ces fruits-là. Mais toi, tu es vivant, tu as réussi ta part. Tu dois bénir le Seigneur. Si toi, tu es, pourquoi tu dois être reconnaissant de donner à Dieu quelque chose? Il y a des ces gens-là, les chèques les ont suivis, ils sont arrivés à l'adresse, mais on a déposé les chèques, mais il n'y a personne de prendre ça parce que la personne est morte. Mais toi, tu as été sauvé. Mais Dieu t'a reconnu. Tu es libéré. Tu as touché même ta chaîne. Tu as même allé déposer ça à la banque. Tu as même allé acheter quelque chose. Pensez aussi à Dieu. Pensez aussi à Jésus. C'est pourquoi nous avons donné. Abraham a donné le tout de ce qu'il avait ramassé à la guerre. Mais je sais que ton temps est très difficile. Même ça, le temps est difficile. Les enfants d'Israël, ils avaient un temps difficile en Égypte. Mais la Bible dit d'aller demander
aux Égyptiens. Dieu va réduire leur cœur de venir lécher pour qu'on leur demande et puis ils vont donner. Ils étaient des esclaves, n'avaient pas droit à rien. Mais Dieu a fait quelque chose. Amen. C'est cet moment-là, Dieu a fait quelque chose pour toi. C'est pourquoi nous allons donner. Alléluia. Nous allons donner à Dieu. Je vais aller m'en vais prier. Prenez ton enveloppe. Prenez tout ce qui est ton enveloppe là-bas. Prenez et tu vas faire le cash-up. Tu vas faire ce que tu peux faire. Que la grâce de Dieu, que la faveur de Dieu puisse être avec toi. Amen. C'est pourquoi nous allons prier. Père, le Dieu des mondes, le Dieu de gloire. Je viens dans le nom de Jésus. Te recommander toutes les offrandes qui sont avec tes enfants, avec tes enfants là-bas à la maison. Oh Dieu, qu'ils puissent avoir le cœur de les remettre. Qu'ils puissent avoir le cœur, le courage de les donner. Qu'ils puissent avoir le courage de remettre ça. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. C'est pourquoi je bénis tout enfant qui tient son enveloppe. Dans le nom puissant de Jésus. Qu'ils puissent multiplier, Seigneur, tout ce qu'ils vont donner. 100% au Jésus-Christ. C'est pourquoi nous disons merci, Seigneur. Parce que la Bible dit, Jésus a lui amené le deux poissons et les cinq pains. Il a rendu grâce à Dieu et il a béni les 5 000, sans compter les femmes et les enfants. Amen. C'est pourquoi je les bénis. Je bénis tes enfants, Seigneur, qu'ils aient le courage de rester à la maison. Qu'ils aient le courage de lire la parole. Qu'ils aient le courage de méditer la parole pour la gloire de ton Seigneur. Merci pour la parole que tu as donnée, oh Dieu. Maintenant, nous allons recommander cette enveloppe à Dieu. Dans le nom puissant de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Après avoir fait, tu vas appeler le cash-up, les îles, tout ce que tu peux faire pour remettre ce qui est la part de Dieu. Et je vais m'en vais prier pour terminer, pour clôturer le service. Ô Père de gloire, Dieu de bonté, Dieu d'amour, je bénis ta sainte présence, ô Dieu. Toi qui as été favorable avec nous dans la parole que tu nous as donnée, ça nous a beaucoup édifié, ô Dieu. C'est toi seul qui puisse encore faire la protection de tes enfants, qui puissent garder la parole, que l'ennemi qui vole cette parole n'ait pas de pouvoir de venir le prendre si nous ne permettons pas nous-mêmes dans le nom puissant de Jésus. C'est pourquoi je chasse l'ennemi qui vient voler la parole qui est semée dans le cœur de nos enfants. De nos enfants. Dans le nom puissant de Jésus. Et je bénis tout mon frère, ma sœur et tous ceux qui suivent de loin ou de près. Seigneur, je les bénis dans le nom puissant du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Nous avons ainsi terminé notre reportage à partir de l'Église dans le nom puissant de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous soit favorable cette semaine. Amen. Merci.